Il y a une première piste qui est évidente, c'est celle de l'appropriation de cette méthode, qui n'est pas très compliquée, mais en même temps, pour en comprendre toute la portée, c'est très important d'avoir pu la pratiquer peut-être une fois à blanc, comme nous on a pu le faire. Donc il y a un effort de formation vis-à-vis des conseillers de la future mandature qui est évident. Mais il y a une deuxième condition qui me semble tout aussi nécessaire, ça sera le portage de cette méthodologie au plus haut niveau dans le CESE, c'est-à-dire par la présidence du CESE, mais aussi par les présidences des groupes et des sections demain. Pour moi, ça devra passer par la formation des présidents de section et de délégation, la formation des administrateurs et aussi la formation des conseillers volontaires qui pourront jouer un rôle d'appui et de conseil auprès de leurs collègues. Et s'il reste quelques conseillers sortants qui auront participé à cette étude dans le prochain mandat, ce serait très utile qu'ils puissent être mobilisés pour contribuer à ce rôle de transmission.